Corniste, je me suis toujours intéressé à l'histoire de mon instrument, mais c'est seulement à partir de 2016 que j'ai vraiment commencé à l'étudier de manière plus approfondie dans le cadre de mes études. À ce moment-là, je me suis notamment intéressé à l'évolution de la technique du cor dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui est vraiment une période intéressante puisqu'on va passer progressivement d'une technique inspirée de la trompe de chasse et de la trompette à une nouvelle technique plus moderne et plus spécifique qui va utiliser pour la première fois les mouvements de la main dans le pavillon pour produire de nouvelles notes qui jusque-là n'étaient pas possibles avec le cor de chasse. Et cette technique permet également d'améliorer la justesse de l'instrument. Et donc, de nos jours, on utilise systématiquement cette technique-là pour jouer la musique qui a été composée après les années 1750. Cette technique est apparue au plus tard dans les années 1750 et comme de notre point de vue, elle facilite beaucoup le jeu de l'instrument, elle est généralement perçue comme un progrès qui doit donc naturellement succéder à une technique plus ancienne et moins performante. Mais en réalité, quand on confronte cette pratique au répertoire, il y a un vrai problème, c'est que en fait, en dehors du répertoire soliste et notamment à l'orchestre, les parties de cor ne contiennent pratiquement jamais la moindre note bouchée avant le début du 19e siècle. Ça m'a vraiment frappé et j'ai eu envie d'aller plus loin en allant voir des instruments originaux. Avec le temps, la présence de la main dans le pavillon laisse forcément des traces, que ce soit sur la peinture ou même sur le métal brut des instruments. Ces traces sautent littéralement aux yeux sur les instruments du 19e siècle. Mais sur les cors du 18e siècle, même après 1750, on ne trouve généralement aucune trace d'usure sur les pavillons. Et si on s'intéresse à l'iconographie, le même constat s'impose, c'est qu'à l'orchestre, malgré l'arrivée des sons bouchés, l'ancienne technique n'a absolument pas disparu, mais au contraire, elle s'est maintenue jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, avec même des formes de survivance jusque dans les années 1820-1830 dans certaines régions. Et en fin de compte, ce constat n'est peut-être pas si surprenant et peut peut-être en partie s'expliquer par la complémentarité de ces deux techniques, puisque en effet, pour le cor, la justesse et le chromatisme qui sont apportés par les sons bouchés sont en fait incompatibles avec la puissance, l'éclat et la pureté du son qui sont mieux conservés par l'ancienne technique. Finalement, ce que je retiendrai de cette étude sur le cor à la fin du XVIIIe siècle, c'est peut-être cette idée de la primauté du son et du caractère sur la justesse et la perfection technique de l'instrument.